Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Three Kingdoms pour l'épisode 15 de notre campagne avec Zeng Jing, la reine des bandits. Donc là j'ai fait une grosse ellipse, je vous expliquerai après ce qui se passe. Donc là on est dans la Chine, donc avec la fraternité des Tai. Donc là je fais une grosse bataille, donc le Shu Han, donc le royaume de Liu Bei si vous préférez. Et là on va avoir du challenge, on doit défendre une ville contre une armée de Liu Bei. Donc on a un général champion. On a Wang Zhong en stratège, on a Zheng Jia, je crois que c'est un des fils de Zheng Jian, et Cao Shuang qui est le champion ou commandant en chef. Donc là l'idéal ça serait, on va commencer par lancer la bataille. Je commence tout de suite par me mettre en place et à utiliser mon trébuchet pour tirer sur les leurs, pour essayer d'éviter un bombardement d'artillerie. Là j'ai une sortie avec ma cavalerie et mon général d'avant-garde pour harasser les arrières de l'armée qui nous assaille. Catapulte, tourbillon, aux armes. Chargez les carreaux. Voilà, les premiers trébuchés qui vont, les premiers stades. Voilà. Bon, même si ça touche pas, c'est pas grave. Dans l'idée, c'est de leur faire des pertes. Vite, il faut aider le général. Bon. Hâtez-vous. Là, on va avoir nos tireurs qui vont commencer à tirer bientôt. Regardez, déjà là sur ce flanc là, les archers, ils arrivent. Ils se font assaillir. C'est pas mal comme ça. Là-bas, un des trébuchés, est-ce qu'il a été touché? Il a été touché, on détruit des trébuchés, c'est pas mal. Vous êtes trop pathétique pour survivre. Il y a déjà un deuxième trébuchet qui est en silence. Là, on est en train de cartonner sur leur tireur. On va tenir des trébuchés. Yes. Ça en fait deux de moins. Donc l'efficacité du bombardement adverse va être réduite. J'ai commencé à recentrer là et à tirer dans l'infanterie qui arrive. L'ennemi s'enfuit. Les lâches. Alors ici. Tirez-leur dessus. Il nous reste encore pas mal de tireurs. C'est pas mal. Là. Notre armée là, elle est en train de réussir sur ce côté. De l'autre côté, on a déjà le combat qui s'est engagé. Donc, ce que j'ai fait, j'ai placé une de mes unités vivantes ici en tortue. Allez, faites un effort. J'ai commencé à rapatrier leur flotte. Non, c'est un petit peu moins dangereux par ici. Bon, c'est pas mal. L'ennemi s'enfuit. Les lâches. Donc là, il y a pas mal d'unités qui sont en train de battre en retraite. On va essayer de dire un petit tireur. Ce qu'il me faut, c'est des tireurs plus imposants ici. Les arbalétriers, vous pouvez me concentrer là-dessus, sur les archers de Yi. Voilà, notre armée elle est plutôt bien déployée, on est plutôt bien dans cette partie. Le siège se déroule très bien, nos tireurs qui tiennent bon, les tours qui nous assaillent, qui nous aident. Donc là, je vais emmener un renfort là-bas. Toi, je vais essayer. Notre noble camarade. L'heure est venue. Là, on va essayer de les matraquer. Il nous reste encore des tireurs. Hein. Bon, on va dire. Là, notre armée, normalement, est en train de les tailler en pièces. Attention aussi. Hein. Comme ça, l'archer a fait suffisamment de dégâts. Ils sont plus que 4. Et là, on va dire. Ouh, attention ici, ça commence à vouloir passer. Ne cédez rien. Aux ordres. Ne cédez rien. Chargez. Notre frère est attaqué. Défendez-le. Visez les jambes. Voilà. Parez. Remuez-vous. Chargez. Bon là, leurs albardiers commencent à repartir en déroute et à rentrer chez eux. On va faire un petit malus de morale ici. Comme ça, ils vont se retirer. Ça y est. Le gros de l'armée, il est en train de partir en déroute. On a repris l'avantage. On a repris l'avantage. On a capturé deux des généraux ennemis. Donc, on a capturé le stratège et le commandant. Je vais tuer le stratège pour récupérer le cheval. Il a l'air plutôt sympathique. Il a un bonus de charge.
Telle est la volonté du peuple. Et lui, il a quoi ? C'est une tenue de tracker. Ouais, bon, on va l'exécuter aussi. Accordez-leur une mort digne. On pourrait gagner pas mal de sous, mais on a besoin de reconstitution. Au travail ! Vu qu'on a capturé récemment Chier, donc je vous montrerai après. Donc là, la guerre, elle fait rage entre moi, Chou et le royaume de Chou, Anne et l'autre. Mais il faut qu'on envoie des renforts à l'est. À l'ouest, pardon. Parce que là, on n'a qu'une armée qui peut nous. Donc là, on a une nouvelle armée qui s'est mise en formation. Nos troupes ont bien récupéré, c'est pas le souci, mais il va nous falloir autre chose. Et dès que possible, si on pouvait passer le port au niveau 4, ben, il faudrait la réforme. Je voudrais ça, comme ça on aurait le port au niveau 4 et ça pourrait nous faire gagner un petit peu du temps. On a aussi une armée qu'on a prise en sandwich ici, il faudrait peut-être s'en débarrasser. On bouge. Lancez-les. On va s'en débarrasser comme ça. Notre c'est une armée de l'ancienne faction de Kongong. On a capturé tout le monde, donc on va exécuter. Ne gâchons pas nos vivres avec des prisonniers. On récupère pas mal d'objets comme telle ça. Telle est la volonté du peuple. Et vu que là on a pas mal de. Ils ont assez souffert. On a pas mal de dessous, on va s'en refaire un peu. Soutenez et on va paysans. Se mettre en route progressivement vers l'ouest. Mon but là, ce que j'aimerais essayer de faire, je sais pas si j'y arriverai en une fois, il faudrait s'emparer du port de Laoyang. Tout simplement pour deux raisons. Ça ferait un accès chez les. Ça nous donnera un accès pour Zhou Yu, la prince de Shang'an, commencer à aller le conquérir. Et comme ça on mettrait moins de pression sur. Sur nos terres, quoi. Comment va le peuple ? Embarquement ! Je pourrais l'anéantir, mais ça sert à rien. En marche ! Donc je me remets dans la cité, tant pis. Le foyer réjouit. Pas aujourd'hui. Donc là, il peut pas se reformer pour le moment, ça c'est cool. Cultiver la non plus. Patience. Mais on a réussi au moins à réavoir pas mal de troupes. Donc là, on a pas mal de sous. Par contre, ici, je vois où il va débarquer. Chaos. J'essaie de me mettre là par exemple 95%. C'est le pas destin rien. De la Chine nous tend les bras. Soulager les privations. Et là on va essayer d'aller chercher lui, mais je suis pas sûr que ça suffise. Ah si. On fera une victoire d'Apyrus, mais si on s'en débarrasse. Faites preuve de ferveur. C'est pas et mal. Vous serez invincible. Wangai qui fait le job sur le fleuve jaune. On va recruter pour 10%. Avec moi. Alors là on serait chez Liu Yang, c'est pas mal. Et je vais amener Zhejin pas loin non plus. Comme ça on pourra vite passer et arriver au port de Liu Yang. Bon, je vais mettre en marche forcée pour arriver à côté. Bon, au moins cette armée est bien amochée on va dire. Là-bas tout le monde s'est déplacé. Alors au niveau des territoires, je ne l'ai pas dit, donc j'ai fait une percée. Donc de Pingyuan qu'on avait pris la dernière fois, j'ai tout envoyé ce qui appartenait à Kongrong, pardon. Donc on se retrouve avec une belle côte là. Donc ce que j'ai fait, j'ai également renforcé ici par exemple. Altesse. Là ce que je vais faire, dès que possible, je mettrai une... comment ça s'appelle ? Une garnison militaire pour une bonne cité bien défendue, parce que 6 unités c'est très peu. J'y ai laissé une armée par sécurité, on sait jamais. Alors ensuite, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de nos généraux. Alors lui, Cao Yu, ouais. Donc on va lui rajouter morale en territoire ennemi plus 10, ça c'est pas mal. Est-ce qu'on peut rajouter de l'équipement instinct plus 6 au combat, c'est toujours utile l'instinct. Plus il fera de dégâts, mieux on se portera. Toi, t'as tout ce qu'il faut. T'annonces. Elle est ordinaire, mais est-ce que je pourrais pas la monter? Voilà. Il sera un petit peu plus performant au combat. Par là. Je suis de retour. On a une directe là. On a une bonne épée. Vous m'appelez ? Et toi, 283, 177, 283, 88. Ah, 339, ça me plaît bien ça. Plus il aura de puissance, mieux ce sera. L'arbre le plus. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On va surveiller un peu ce que fait cette armée, enfin ce qui reste de l'armée. Là, il y a déjà une autre armée qui arrive. Hein. On a à peine le temps de souffler qu'une autre force arrive.
Oh, il y a du monde ici aussi. Zuyu qui se replie, la raison vaut mieux. La diplomatie a échoué. Les armes devront donc trancher. Ouais, ok, si ça t'amuse. Alors, on n'est pas directement concerné, mais méfiance. Pour la loi. Ok, donc on se retrouve avec tout le monde en guerre sur notre dos, quasiment. Ok. Les bandits sont moins corrompus que les nobles. Donc toi, je sais pas si tu pourrais te dépêcher. Mode standard. Nous ne faisons qu'un. Là, il faudrait que tu remontes vers le nord parce qu'il y a du monde qui arrive. Souffler et méditer. Bon. Le foyer réjouit le cœur. Ce qui est le problème là, c'est que nous, on a des bretteurs, mais est-ce que ça suffira? Je suis même pas sûr. Hein. On pourrait avoir des lanciers moyens avec des meilleur tactique. Ouais, je vais partir sur plus le mur de bouclier comme ça. Bon, il va attaquer, je pense, mais si on peut avoir des unités supplémentaires, ce serait pas de refus. Donc toi tu vas continuer de monter rapidement, il faut que tu rapportes du renfort à chier. Donc j'ai aussi pris la cité de Hénon qui appartenait à Liu Bei. Et j'ai commencé mon invasion dans le Chi. Domptez vos passions. Hop, Zheng Jing, on va la mettre aussi en route. Rapport. Faites place. On va passer par là. Si avec nos deux armées on peut arriver à converger à Liu Yang, on pourra avoir une bonne base. Ça nous permettra aussi d'envoyer Shang'an, donc ici. Pourquoi pas récupérer ça, donc je vais voir s'ils veulent faire la paix, mais je n'y crois pas. Hein. Il ne reste plus grand chose, hein, j'ai l'impression, Shang'an. Finissons-en avec cette besogne. Alors c'est qui? On est en guerre contre Duché de Wu. Attends, quoi? Encore vous? Tu veux pas la paix, toi? Non, il ne voudra pas. Par contre, j'espère qu'on va pas avoir d'autres ennemis qui vont nous tomber dessus à tout moment. Donc là, il va bien tenir, j'espère. Et là, c'est pas mal. On va se reformer. Donc les deux armées là aussi. Oh. Oh, il y a du beau monde là qui arrive. Trois armées complètes. C'était deux et donc on va surveiller ça. Bon, normalement et donc il y a une demi-armée, mais si on rajoute une armée complète, ça devrait aider. Je pense qu'on pourrait tenir 2-3 armées à nous tout seul. Et là, l'armée a fusionné, ok. Donc là, on a des armées en réserve. Voilà, il va être content. En avant. Pour la Chine. Bon, là normalement avec notre armée ça devrait aller. Donc là on a une nouvelle réforme. On va tout de suite faire le port de pêche au niveau supérieur. On aura plus de nourriture venant de la pêche. Il nous restera encore un autre bâtiment à améliorer là, on le fera. Donc je pense qu'on va rusher les deux technologies, comme ça on aura un port de pêche bien amélioré ici. Et on va le faire tout de suite. Dans deux tours, pour mieux le bâtir tout de suite, on va en avoir besoin. J'avais vu un autre port de pêche ici, c'était où? Là, Languier. Parfait. Donc nos armées sont en marche. La prudence bride les élans de l'âme. Je vois où est la frontière ennemie. Enfin, le hop. Ça doit être là quelque part. Aucune ferveur n'est inépuisable. Et là on va pousser jusqu'ici. En marche. On a encore du chemin en fait. Et si on se mettait en embuscade dans le secteur? Marchons. On a 70% de chance, c'est pas rien. Je vois l'embuscade comme un art. Et si on va pousser jusque là, on va se mettre à Edon. Parce que là il y a impossible. Une. Il y a impossible. Deux. Il y a. Non. Trois armées, une quatrième qui s'attend à chier. Non, ça fait du monde quand même. Je ne peux pas. Je suis de retour. Lui, il a Zheng She, il a pris un nouveau rang. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre comme capacité sympathique? Oh,
Ça peut être pas mal. Dégâts perforants mêlés plus 10% pour l'armée. 14 de mêlée plus 40%. Voilà. Ça fait plutôt une bonne force ici. Et normalement le port de pêche sera un petit peu plus renforcé. Ouais, ça devrait aller, j'espère. Ah. Ils avancent, je sais pas ce qu'ils font. Donc là, tout le monde se retrouve quasiment en guerre en Chine, là, ça va être intéressant. Donc le duché d'où. Là il y a Sun Tse au sud, attention. Il y a quand même du mouvement, hein, ça c'est sûr. Ouh, attention. Ce n'est pas possible. Restez honnête. Ah, le foyer réjouit le cœur. Ruez-vous! Je l'avais pas vu ça. Allez, on va le battre. Voilà. La justice prévaut. Merci. On l'exécute. Accordez-leur une mort digne. Et on recrute. Pour la Chine! Je suis de retour. Comment va le peuple? Non! Son armée est trop forte pour tenter quoi que ce soit. Dites-moi ce qui s'est passé en mon absence. Faites corps. Donc lui, il faut qu'on le ramène en renfort. Nous allons au-devant des mots de la Chine. D'ici un tour ou deux, on sera peut-être à portée, j'espère que ça ira. Et là, on a Zheng Jing qui est pas loin, mais toute seule, je doute qu'elle fasse quoi que ce soit. Quelle dose vision pour une voleuse ambitieuse. Je continue de pousser pour nous jusque là. Marche ! En marche ! Et Zheng Jing va continuer à avancer en mode embuscade, on va se mettre à la frontière. Allez. Et ça devrait être suffisant, j'espère. On va se faire un petit peu aussi d'économie là, parce que bon, on se fait entre guillemets que 2000. Bon, on a assez d'ordre public, c'est pas mal. La mine de fer, bon, on va l'améliorer. Ça nous fera un petit peu plus d'argent plus dans le nord. Est-ce comme c'est un peu sécurité? C'est par là. On est plutôt peinard. Le foyer réjouit. Donc eux deux là, j'ai oublié de les faire avancer à fond. Mais bon, il faut qu'on ordonne ses armées de toute façon vers le nord. Allez hop, ça nous ramène une nouvelle armée encore. Du propre. Prenez les armes à nos côtés. C'est qui ça? Non. Non, 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 on est déjà assez dans merde. Si vous y tenez. Pensez bien à ce qu'au sud c'est occupé. Le fleuve devient torrent. Oh, ils sont combien là? Cela n'arrivera pas. Ah, ils sont nombreux les sacs là. Ce n'est pas possible. Dites-moi ce qui s'est passé en mon absence. Bon, on pourrait se les faire en 1v1, mais bon. Le problème, c'est se trébucher quoi. Non. On va pas faire rien faire. Ce n'est pas possible. C'est abusé quand même. Deux armées. Ouf. Aux armes. Repos. Marchez ensemble. J'essaie de me ramener rapidement ici. Les champs connards, ça va être compliqué quand même. Hein. Tous connaîtront le nom de Zheng Jiang. Ah, là l'autre. Action. Donc lui. On pourra bientôt avoir les batailles nocturnes si on joue bien le coup. On a le tir incendiaire, déjà c'est déjà ça de prix. C'est l'armée de Guangdong. Donc on va prenez le mode standard. On va prendre la ville. Enfin le port. Le ciel a récompensé notre fougue. On perd beaucoup d'hommes quand même. Oui, ils perdent quasiment que d'hommes, mais on prend cher. Alors toi, on va t'exécuter. Il ne mérite rien de moi. Mon esprit renaît. Soutenez les paysans. Et là, je me mets en embuscade quelque part près de la du port. Continuez.
Ça devrait suffire. Je vois l'embuscade comme un arbre. Je sens la chaleur familière du foyer. Qui monte, et puis on prend. Et toi, on va te mettre quoi? Ça aussi, c'est pas mal. Je n'aurai de répit qu'une fois en possession de ces montagnes. Ah, t'inquiète pas. Bah. On va essayer de voir s'ils vont nous attaquer ou pas, mais honnêtement, s'ils nous attaquent, ça va être dur. Hein. Parce qu'on a, pas mal de troupes tombent. Comment va le peuple? Ils nous attaquent. Ils sont 3000, on est 1700. Plus la garnison, bon. Il y a peut-être moyen, hein. Je dis pas que c'est foutu. Ils ont pas d'arbalétrier, donc c'est un avantage pour nous. On va, je pense que je vais vous laisser là pour cet épisode. Donc je ferai la bataille la prochaine fois. On va voir si on tient ou pas la cité. J'espère que oui. Bon, on a les tours qui devraient nous aider. Les trébuchés, si on gère bien leur affaire, bah, ça devrait faire le café. Donc voilà. Je vous remercie tous d'avoir suivi cet épisode, les amis. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Voilà, je vous dis à la prochaine, les amis, c'était Kaiser von Kerstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.